Bonjour tout le monde et bienvenue à la saison 6 d'Asterchef. Aujourd'hui, je vais vous présenter une salade pays qui va nous ramener un petit peu de fraîcheur dans cette saison chaude. Donc, on va commencer par de l'ananas, de la papaye, du citron vert, de la passion et un peu de coco. Et maintenant, on va pouvoir démarrer la recette. Donc là, on a déjà épluché et éyoté l'ananas, on va pouvoir commencer à le couper. Donc, je vais essayer de faire des tranches. Maintenant, on va pouvoir le couper en cubes ou dans une autre forme, comme vous le souhaitez. Donc maintenant, on va pouvoir passer à la papaye. Donc une fois votre papaye épluchée, on va pouvoir la rincer pour enlever tout son petit lait. Donc maintenant, on va pouvoir la couper en deux et on va pouvoir enlever les pépins. Une fois épluchée, maintenant, on va pouvoir la couper en morceaux. Donc pareil, soit en petits cubes, soit en lamelles. C'est vraiment comme vous le souhaitez. Donc maintenant, on va pouvoir continuer dans la découpe de nos fruits. Donc là, je vais passer à la mangue. Pareil que la papaye, on va lui couper le derrière, la tête, et on va enlever la peau. Donc pareil que pour la papaye, la mangue, il faut la rincer, donc allons-y. Donc maintenant que notre mangue est rincée, on va pouvoir passer à la découpe. Et maintenant, on va passer à la coco. Donc, je vais prendre une coco déjà ouverte. Pour une salade de fruits, c'est toujours mieux de prendre une coco qui est fraîche et qui est tendre. Ça sera toujours plus agréable en bouche. Et maintenant, je vais pouvoir passer à la passion. Alors, on va l'ouvrir en deux. Donc maintenant, on va pouvoir passer à l'assaisonnement de notre salade. Donc je vais prendre un citron vert et on va le zester. Donc pour la suite de l'assaisonnement de notre salade, on va mettre un petit peu de poivre. Mais si vous préférez mettre du piment, c'est pareil, ça marche aussi. Je vais venir écraser mon poivre. Donc maintenant, on va procéder au mélange de notre salade. Donc il faut faire très attention, comme nous avons des fruits qui sont mous, comme la papaye et la mangue, il ne faudrait pas qu'ils s'écrasent et que ça devienne une purée. Donc une fois notre salade finie d'être assaisonnée, on va pouvoir passer au dressage de notre assiette. Donc on va venir prélever un petit peu de nos fruits et on va pouvoir les placer au centre de notre assiette. Et pour finir, ma petite touche finale pour amener un petit peu de croquant à cette salade, je vais prendre des cacahuètes que je vais venir concasser. Et donc maintenant, on va pouvoir parsemer nos cacahuètes sur notre salade. Voilà, notre recette est terminée. Donc je vous invite à la refaire chez vous avec les fruits que vous avez chez vous. C'est une recette simple et gourmande. Et à bientôt sur Asterchef.